Vous êtes non seulement neuropsychiatre, mais vous êtes également un spécialiste d'éthologie. Et est-ce que l'on peut, est-ce que ça a un sens de définir l'homme comme un animal sportif hein, Et de voir dans le sport une sorte de, de différence spécifique Parce que les animaux ne sont pas sportifs. Non, non, je pense que les animaux sont sportifs. Il y a des rituels. Chez les animaux, sinon, ils ne pourraient pas coexister. Il y a des rituels. On joue et les animaux, les mammifères, jouent beaucoup. Même les oiseaux, d'ailleurs, commencent à faire des épreuves inutiles, euh, non fonctionnelles. On peut se demander pourquoi euh, ils jouent à laisser tomber une feuille et plonger dessous pour la rattraper. Aucun bénéfice adaptatif. Euh, Peut-être on pense que c'est pour jouer. Bien sûr, le mot jeu est déjà difficile à définir entre être humain. Alors pour un animal, c'est encore plus difficile. Mais c'est pas adapté. À une réponse immédiate. C'est adapté à quelque chose qui n'est pas là. Et ces rituels, permettent aux animaux de coexister, sinon ils n'auraient que des rapports d'attraction de, ou de violence. Alors qu on se, quand on est un, un animal, on ne se présente pas n'importe comment, on ne se courtise pas n'importe comment, on ne partage pas la nourriture n'importe comment. Il y a des codes comportementaux, ils ne sont pas verbaux, mais ils sont comportementaux. Ils veulent dire, ils signifient quelque chose qui permettent aux animaux de danser, de se courtiser, de s'entraider et de s'entraîner. Et par exemple, les chatons sont des médailles d'or du, du jeu. Ils jouent énormément, mais la plupart des, des animaux jouent. Et quand un animal joue plus, c'est que sa croissance est terminée. Donc il y a un effet d'entraînement qui n'est pas une réponse immédiate, qui n'est pas une réponse à quelque chose qui est dans le contexte, et qui permet d'apprendre à se développer et à coexister, à s'articuler avec les autres. Donc on peut penser que c'est une fonction proto-sportive. Euh, un enfant qui fait du sport, et même une personne adulte, c'est moins plastique chez les personnes adultes, même si ça reste encore plastique. En revanche, un enfant qui fait du sport sculpte son cerveau. C'est-à-dire que si euh, on voit par exemple que s'il fait de la course à pied, eh bien il va sculpter les zones corticales qui correspondent, qui commandent aux neurones et aux muscles de ses jambes. Si il fait du lancer de poids, on va voir que la partie de l'autre hémisphère qui correspond aux bras et à la main va s'hyperdévelopper. <laughs> Donc on voit comment l'activité physique, contrairement à ce qu'on disait ou préjugé, on disait s'ils ont de gros muscles, ils ont un petit cerveau. C'est exactement le contraire. Euh, quand on entraîne son corps, on stimule son cerveau. Ensuite, une fois que le cerveau sera sculpté, il faudra en faire quelque chose de relationnel, mais au moins l'outil est préparé. Quand j'ai l'occasion de, de rencontrer un, un sportif handicapé, je suis charmé par l'importance qu'il accorde au sport et le bonheur que lui apporte le sport. Il y a le, le handicap très souvent c'est une blessure physique bien sûr, mentale souvent et sociale. Or, cette blessure physique est réparée par un match de basket en fauteuil. Euh, et nous, on dit, tiens, la performance est moyenne. On se trompe. Euh, la performance est énorme. Ils font une performance énorme. Et surtout, ils ont une réparation narcissique au bon sens du terme. Je ne suis pas si handicapé que vous le croyez. La preuve, c'est que je peux me déplacer. Je peux faire un sport comme vous. Je peux courir, je peux vivre comme vous. Donc, je ne suis pas tellement aliéné que vous l'avez cru, mais le handicap, je l'ai, mais je le surmonte en partie, je le métamorphose en partie. J'en fais quelque chose, je suis capable de faire un match de basket ou une course malgré mon handicap. Donc, physiquement et mentalement, ils y accordent une importance énorme. Qui est tout à fait respectable parce que ça leur permet de continuer à reprendre une autre forme de vie. La définition de la résilience, c'est qu'on métamorphose le trauma. Le trauma, on l'a reçu, mais on ne s'y soumet pas. On le métamorphose, comme Croizon l'a fait, comme Philippe Croizon l'a fait, on le métamorphose, on en fait une performance qui sert de modèle à d'autres blessés. Donc c'est la définition de la résilience. Aujourd'hui, on a un peu tendance, vous le savez, euh, à brandir le sport hein, comme étant une sorte de référent qui permettrait contre euh, tous les problèmes que rencontrent nos sociétés dans lesquels on peut euh, assez facilement admettre que les que les gens s'entretuent, se, combattent, ne soient pas d'accord et le sport aurait cette fonction euh, presque miraculeuse euh, à la fois consensuelle euh, euh, de rassembler les hommes, une sorte de fraternité euh, non, je, 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 Cette question, elle se pose. Et donc, vous l'avez posée. <laughs> et, et je sais mal y répondre. Parce que, même avec le, le concept de morale, je suis mal à l'aise. Euh, étant donné que j'ai été psychothérapeute pendant euh, presque 40 ans. Et que je soutiens que les grands pervers sont tous des moralisateurs. <laughs> C'était sad l'introduction Justine c'était un cours de morale je, quand j'étais gamin j'avais volé euh, les journées de Sodome les, les, les 120 journées de Sodome pardon les 120 journées les 120, les 120 journées de j'avais de volé croyant que c'était espérant que ce serait un livre érotique et c'est un livre d'économie politique avec, avec des corps avec <laughs> je me suis ennuyé euh, Mazoch a fini comme reçu à Paris, à la Sorbonne et dans les grandes revues comme professeur de morale. Et j'ai eu à accompagner ou à expertiser des, des grands pervers sexuels qui tous étaient des moralisateurs. Euh, donc, euh, des moralisateurs, voilà. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire que euh, je suis mal à l'aise avec ce concept parce que... Euh, je préfère le concept d'empathie, c'est-à-dire que dans l'empathie, je me représente le monde des autres, donc sans loi, je ne peux pas tout me permettre. Si je me représente votre monde, euh, je ne peux pas. Quelque chose, même s'il n'y a pas de loi humaine, il n'y a de loi qu'humaine d'ailleurs, si même s'il n'y a pas de loi, euh, je peux pas quelque chose m'empêche, je ne peux pas tout me permettre puisque vous existez et que je me représente. Ce que je vais faire si je veux vous détruire ou vous humilier, je peux pas, je peux pas le faire. Ça, quelque chose se freine en moi. Alors est-ce que c'est ce qui se passe dans le sport Non. Dans le sport, au contraire, c'est l'arbitre. Il faut un arbitre pour freiner. Il faut une sanction pour freiner. Alors là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut un règlement. C'est le règlement qui freine. C'est pas le sujet. Le sujet lui va le plus loin qu'il peut, et c'est le règlement, qui, une force, une loi une force extérieure à lui qui le freine, alors que dans l'empathie, c'est moi qui me freine, et je pense que l'empathie est plus morale que le sport. Non, non, mais la question. On pouvait démoraliser la question de la morale. La morale, ne se réduit pas au moralisme. Je parlais de la morale au sens propre du terme, d'abord. Hein. C'est ce qui concerne les mœurs, la morale. Hein. Les, les manières de vivre, les manières d'être. Mmh. C'est pas simplement la morale au sens des commandements et des impératifs. aussi enfin, comment on vivre alors ensemble. Alors, c'est les mœurs, voilà. c'est les rituels, donc c'est plus proche de l'empathie que de la loi. Pour terminer, que vous inspire la devise olympique Sitius, Altius, Fortus Fortunus. Pas fortunus fortius, <laughs> c'est-à-dire euh, plus loin, plus vite, plus fort fortunus. <laughs> plus de monnaie, plus, Ce sera la seule... Et, et, et aussi de chance. Si la fortune a quelque euh, chose à voir. Ah pas. ben voilà, ben on va... On, oui, ça peut être une chance. Oui, c'est une chance. Le sport est, est une chance à tous les sens du terme. C'est une chance pour l'individu, le plaisir d'utiliser son corps, de se sentir bien, le plaisir de faire des performances, le plaisir de rencontrer, le plaisir d'entrer aussi en compétition. C'est pour ça que j'aime beaucoup le sport de petit niveau, parce que lui, il socialise, lui, il moralise. Ça n'empêche pas la compétition. Mais après la compétition, même si vous avez perdu on ira au restaurant ensemble. C'est-à-dire qu'on on parlera, on établira une relation humaine, on fera une épopée avec notre combat, notre course à pied, on va en faire une, on va en faire une production humaine. Alors ça, si c'est ça la morale du sport, d'accord, je vote. Mais ce n'est pas toujours ça, je pense que ce n'est pas le sport qui qui est source de morale ou d'anneau olympique, c'est la signification qu'on lui donne. Si on lui donne une signification d'apprendre à être ensemble et à mieux être, vive le sport. Si on apprend euh, au sport, si on donne au sport la signification, je suis plus fort que vous, je vous domine parce que mon pays a une idéologie supérieure à la vôtre, malheur au sport.